un bloc def très solide. Par contre, ils jouent long. Ils aiment bien jouer long. Et vous avez vu le terrain comment il est? Il est immense. Donc, à un moment, ils vont chercher à fixer et chercher, ils vont chercher dans le dos d'Anthony et de Younes, systématiquement. Donc, pour éviter ça, qu'est-ce qu'il faut, à votre avis? J'ai un profondeur sur le plan défensif. Précis. Voilà. Voilà. C'est cadrer les porteurs et que ça démarre de Jean-Yves et de Redouane. Ne partez pas dans des courses folles. Vous avez vu le terrain comment il est grand, vous allez vous épuiser. D'accord? Avoir une gestion, c'est là où vous devez gagner aussi en maturité, c'est savoir quand on est dans un temps faible et quand on est dans un temps fort. Là, vous avez vu le match des U16, vous avez vu des phases de conservation. Non. Vous avez... Hier, on est venu voir la finale avec Kassim, des seniors, il y a eu très peu de phases de conservation. Quand il fait chaud, quand on est entamé physiquement, c'est ce qui nous permet de récupérer, de bien utiliser le ballon. Les passes appuyées, d'accord, toujours être en mouvement, d'accord, mais justement, il y a de la largeur, il y a de l'espace. Il y a de l'espace. Donc allez-y. D'accord, on est toujours un joueur, intervalle, un qui sort très haut, c'est Régis, ne vient pas décrocher chez nous. D'accord, laisse la G descendre, faire une ligne de 3 là, ici, d'accord, donc Benjamin qui va décrocher ici, Kevin là, et la G très bas pour avoir une ligne de 3 pour justement avoir le maximum de largeur. On ressort les ballons, donc toi le fait d'être haut, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire que défensivement, eux, ils vont jouer très bas. D'accord? Ça, c'est la première des choses sur le plan de la gestion des espaces. D'accord? Individualité rapide et offensive. Younes et Anthony, vous allez avoir un petit robeux gaucher. Lui, généralement, il élimine. Il élimine, ça finit toujours par un centre, par un crochet. Voilà. Techniquement, c'est pas bon. Donc faites attention à ça. Ok? Contexte. Bah, coupe, hein, finale. Rien de nouveau pour nous, on joue des matchs importants depuis 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on joue des matchs importants. Donc vous en avez l'habitude. Terrain grand, large, chaleur, adversaire très motivé. Ça, c'est des paramètres que vous devez prendre en compte. Si vous n'êtes pas à 100%, à 200%, c'est pas vrai. On peut pas jouer en dessous. On peut pas jouer en dessous de nos qualités. Vous pouvez pas être à 50%, c'est pas possible, ça passera pas. Jeu vers l'avant. Ça, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. En mouvement simple. On vous dit à l'entraînement avec Kassim à chaque fois, jeu de face, de face, de... Vous êtes dos au jeu, je m'appuie, c'est l'autre qui est face au jeu qui va aller chercher une deuxième solution. D'accord? Donc gardez ça, c'est important, parce que ces derniers temps, on en a un peu trop fait. Entre ceux qui vous laissaient plaisir, ceux qui lâchaient pas le ballon, plus vous allez courir avec, plus le match il va passer, plus vous allez courir avec, plus vous allez être entamé physiquement, et vos choix vont pas être bons. D'accord? Redoublez les passes. D'accord? Et appuyez. Vous avez vu le terrain, c'est sec, pas arrosé. Donc voilà. Jeu de face, on l'a dit. Recherche du joueur lancé. Ça c'est pareil. Younes et Anthony, allez-y. Cherchez. Kervin, ça rentre. Melvin, ça rentre. Un appui. On va chercher les latéraux qui eux vont aller centrer. Les centres de qualité au sol. D'accord? Ça fait 2 ans que je le répète. Donc je ne veux pas voir des ballons voler en l'air pour rien. D'accord? Appliquez. Sur les coups de pied arrêtés. Marquage strict. Strict. Benjamin, Kevin, Ladji, Melvin, Anthony ou Younes, ça dépend qui sera au poteau. D'accord? Couper les trajectoires. Jean-Yves, comme d'habitude, tu t'imposes et tu mets de la voix. Jimmy. Koufran, Anto, frapper pour marquer. Régis, corner, Kervens, Koufran aussi, pareil. Prenez le temps. On a le temps. Koufran. C'est frapper pour être décisif là-dessus. Penalty, Melvin, Anto et Redouane. D'accord? Selon comment ça se passe, la faute elle est sur qui, ainsi de suite. D'accord? Je vous ai mis une phrase. J'espère qu'elle vous parle. Le succès n'a pas besoin d'explication. L'échec n'admet pas les justifications. Et c'est 2 ans. 2 ans ça a été ça. À chaque fois, oui mais, il n'y a pas de oui mais. Pour le foot, il n'y a pas de place pour ça. Pourquoi je suis fâché aujourd'hui par rapport à votre préparation? Et on aura encore une préparation à faire, parce que quand vous jouez des matchs importants, vous devez être irréprochable sur la préparation. Irréprochable. Donc ça commence la semaine et ça se termine tout à l'heure à 18h. Ok? Donc les flèches, là en rouge, c'est sur nos déplacements défensifs, d'accord? D'avoir cette notion de bloc, d'accord? Qu'on soit en bloc justement pour éviter de faire des efforts
d'accord, trop intense. Avoir cette intelligence-là de se déplacer, pardon, en bloc, droite à gauche, avant arrière. Ok. Par contre, en bleu, c'est nos déplacements offensifs. D'accord. Ce que j'expliquais tout à l'heure. La G. Attention, hein, là on a vu avec les U16. Hein, tout ce qui est semelle où vous arrêtez le ballon, c'est généralement vous marchez sur le ballon. Derrière, il est très sec. Donc tout ce qui est fait, c'est orienté. Orienté. En deux touches. Deux touches de balle, faites circuler le ballon. Faites un gros match pour être dans l'histoire du foot amateur. Pourquoi ? Il n'y a pas eu d'équipe qui a fini championne de DH avec une montée et deux finales de coupe. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Regardez les archives, il n'y en a pas. On a cette possibilité-là de le faire. On a cette possibilité, je dis. On a cette possibilité. Mais par contre, il y a aussi un adversaire pour nous empêcher de faire ça. À vous de savoir ce que vous avez envie. Vous avez envie d'aller la chercher ? Ouais. Allez, c'est parti. Descendez avec Kassim, n'oubliez pas les ballons. Ouais, ouais. Quel... Plaisir. Il a passé... Plaisir. Il a passé... 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 Il a pass